Ce match vous est proposé par Heineken. Et Lay's. Sponsor de l'UEFA Champions League. Attention à cette possibilité qui se dessine peut-être là avec Cornet, l'incursion d'Aouar très très présent. Pénalty Xavier. Oui, c'est. Je pensais pas qu'il y avait eu contact. Ah, il a l'air sûr de son coup, ouais. L'arbitre allemand. Il faudra revoir la phase d'un peu plus près. Oh, je n'ai pas persuadé qu'il y ait contact. Ou alors très léger. Bernardeschi. Regardez Bernardeschi qui, je pense, l'accroche. Memphis Depay comme un symbole, lui qui a été absent pendant des mois et des mois. Il a tout fait pour revenir à temps. Il est là, imaginez qu'il mette ce ballon au fond. Depay, la concentration du Néerlandais. Oh, magnifique Memphis Depay. La Panenka, quel culot. Quel culot. Quel joueur, mais quel joueur. Eh bien, vous savez quoi, Xavier, on est content pour lui parce qu'il a connu une grosse, grosse galère. Et indépendamment évidemment des couleurs de son équipe, eh bien, il a tout fait pour être le rendez-vous. C'est un grand champion qui fait 0-1 dans ce match. Oh, magnifique, magnifique ce qu'il a fait là sur le flanc. Lopez est sorti un peu n'importe comment. C'est Denayer qui est revenu. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est Marçal. Oh. Oui, quel retour. Mais en tout cas, très belle action de Bernardeschi. Cristiano Ronaldo, moment important évidemment. La Ligue des Champions pour l'instant est en train de s'échapper pour lui. Cristiano, oh, l'arrêt splendide. On a pensé, j'ai pensé dans un premier temps que ça allait être en force. Et eh bien pas du tout en finesse. Arrêt de Lopez. Combinaison peut-être. On va voir. C'est Pjanic. Non, c'est direct. Et ça file à côté. Est-ce que ça a été dévié? Alors, qu'est-ce qui a été sifflé là? Faute de main. Faute de main. Faute de main. Bah écoutez, ça lui vient dessus. Hein. C'est incroyable. Il faut ça. Arrêter là. Si on commence à siffler ce genre de pénalty, alors j'en perds les mots parce que c'est tout bonnement pour moi presque scandaleux. Avec Cristiano Ronaldo pour l'égalisation, elle tombe. Hein, et voilà qui relance évidemment complètement ce match retour. Cristiano avant la pause. Il faut encore en mettre deux pour les Turinois. Pas mal d'incompréhension et ça se traduit par un match pour l'instant très décevant de la part de la Juve. Et pourtant, regardez qui est là pour forcer encore une fois un résultat. Le culot et surtout l'efficacité de Cristiano Ronaldo. Et si ça passait par lui, qui d'autre évidemment? Oui, c'est ça. C'est vraiment poser la question, c'est y répondre. Hein. Finalement. N'arrive pas à trouver la solution dans les combinaisons et c'est par des actions individuelles de leur star maison et par cette superbe frappe du gauche. Il est là Ronaldo, le centre, il est très bon. Higuain, la reprise est moins bonne. Ouais. Est-ce qu'il fallait pas laisser au deuxième? En même temps, il pouvait peut-être pas le savoir. Il lui dit ouais, parle-moi, en même temps on peut pas à la base. Allez, c'est poté. Oh, il est complètement oublié. Comment est-ce possible de laisser tout seul comme ça dans le grand rectangle? Ouais, le meilleur joueur de tête. Je ne sais pas qui passe en dessous là, mais gros manquement au niveau du marquage. Ah, Dybala, là, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ça fait mal tout seul? Ça fait mal tout seul, ouais. Son adducteur, à mon avis,
Ah, ça c'est incroyable. Hein. Ouais, ça, c'est fini. Si il y a une rechute, c'est fini, ça c'est sûr et certain. Ça c'est terrible. Hein. Ça c'est terrible. Il vient de monter au jeu. Là, il y a une grosse dizaine de minutes et c'est plié. Ce match vous a été proposé par Heineken et Lays, sponsor de l'UEFA Champions League.